Et voilà, mon premier couteau. Donc, je suis assez contente du travail. Ça fait 2 ans que je suis sur ce projet. Il fallait que je me procure des bases et puis des jolies bases, hein, tant qu'à faire. Donc là, j'ai choisi du damassé parce que je trouve ça hyper classe. Voilà, donc voilà en gros ce que ça donne. J'ai choisi une larvikite, donc c'est pas du tout évident à faire. Là, j'ai sculpté en dehors de la meule. J'ai utilisé la meule plus d'autres outils pour pouvoir m'adapter à la base. Voilà, donc pour une première, c'est pas trop mal. Bon, il faut encore fignoler, hein. Voilà, donc une larvikite, c'est pas si lourd en fait. C'est un couteau, donc il faut quand même en prendre soin, hein. Et donc il se rétracte. Je vais essayer avec une seule main. Voilà, donc la lame se referme. Voilà, donc ça rentre dans une main. Voilà, donc c'est un projet qui me tenait à cœur. Voilà, il est là, il est créé avec d'autres qui vont arriver, hein. En fait, il faut tout le temps se renouveler, hein, voilà. Donc là, c'est un travail surtout de sculpteur, hein, voilà, donc j'ai cherché des couteaux de pierre. Bon, j'en ai trouvé en lave, mais en France, c'est pas très courant en fait le couteau avec la pierre polie. Voilà, donc je suis assez contente du résultat. Voilà, couteau en larvikite avec lame damassée. Voilà, messieurs, une belle idée de cadeau. Donc, vous retrouverez mes créations sur le site internet florencedaluzecreation.fr. Et donc, je vais le mettre en boutique. Hein, voilà, pour aujourd'hui. J'ai fait que ça aujourd'hui. Hein, voilà.